Bonsoir, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes dans une vidéo de Sly et aujourd'hui, nous allons partir dans le temple des flammes. Ce qui est assez paradoxal vu qu'on est dans de la neige, j'imagine. Qu'est-ce que j'ai fait? Ok. Ça, c'est fait. On va essayer d'être discret. Ah, il y a quelque chose en bas. Je pense que c'était mieux d'aller d'abord chercher le petit truc. Nice. Écoutez, ce monde est assez cool, je trouve. Ça se trouve, il y a une compétence pour aller plus. Pour sauter plus haut. Je pense que la dernière. Doit y avoir vraiment une compétence qui permette d'aller plus. Parce que les compétences en général permettent pas mal d'. J'étais en train de me gratter les yeux, je crois que c'était au pire moment, honnêtement. Du coup, je pense que je reprends au tout début. Non, ça, c'est cool. Est-ce qu'il y a moyen d'attendre? Sauf que ça sera atteignable plus tard, hein, honnêtement. Je vais juste essayer d'être discret, entre guillemets. On va dire ça comme ça. Je dis ça parce que... Il y a quelque chose en bas. Très important ce truc. Très important. J'ai fait tomber un de mes écouteurs. Mais c'est pas grave. J'imagine. J'espère que ça me fait pas descendre. Non, ça va. On va attendre qu'il soit retourné. En fait, non. J'arrête pas de me contredire moi-même. Je dis, il faut que je fasse ça. Et je fais tout le contraire. Wesh. Le respect. Tu crois que c'est du respect? Non, purée, ça va être. Mais ça va être tendu. C'est très tendu hein, comme timing, hein, je trouve. Est-ce que je viens d'avoir un. Non. C'est passé où? On va essayer d'être discret, on l'a dit. Ok. Y'a quoi derrière la statue? Y'a rien. Comment ils ont fait pour ne pas me remarquer? En espérant que je ne tombe pas. Je vois des trucs là-bas. Je vois le point de contrôle sur le côté. Ça devrait être pas loin, j'imagine. Voilà. Oula. Il y a tellement d'informations que le jeu il lag un peu. Hein. Ça va. Tout va bien. Plus de peur que de mal. De toute façon, il ne nous voit pas donc. J'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus gros que les modèles 3D qui nous attaquent en fait. Donc je me dis, ouais bon, c'est pas un si gros souci que ça, je pense. Par contre, je pense que la suite est par là, mais là c'est plus pour avoir les bouteilles. Mais non, mais je pensais que j'allais la voir. Bon, on va faire une petite ellipse, hein, parce que honnêtement... Est-ce que je vais faire ma cervelle du Yop cette fois? A priori, non, ça va. Maintenant, le tout est de ne pas... tomber pour la énième fois et tout devrait bien se passer. J'ai l'impression que c'est de là que je reviens, mais oui, c'est de là en fait. Donc j'imagine que en revenant sur mes pas, je peux peut-être avoir la possibilité de revenir récupérer ce que je voulais. Mais en fait, si je tombe, je
crois qu'il y a quand même un truc à faire en gros. Il doit y avoir un truc à faire que je n'ai pas vu. Laissez-moi inspecter les lieux. Ah ben. J'avais pas vu le raid. Oh, mais les bouteilles sont en dessous en fait. Du coup le principe c'est que je me suicide. Ça fait cher la vie hein, je trouve hein, pour deux bouteilles. Honnêtement. J'espère que je les aurai toutes au moins. Si c'est pour avoir sacrifié une vie. Hein? Ok. Ouais, mais je pense que ça cache quelque chose. Bien évidemment. J'ai pas été très intelligent pour le coup. Surtout qu'il ne bouge même pas en fait. Essayer de l'attirer par derrière, j'imagine. Oula. Oh, purée, mais je suis vraiment le plus gros des... des abrutis. J'essaie de l'avoir, j'essaie de l'avoir, j'essaie de l'avoir. Yes. C'est qui est intelligent? Ah bah pas moi vu mon nombre de vies. Alors, il y a un passage à droite. Et il y avait un passage à gauche. Je pense qu'on va vite fait regarder le passage à gauche, j'imagine, là tout droit, tout droit. Mais il y a des pièces, alors je me dis c'est peut-être par là le bon chemin en fait. Bon, au moins on a le point de sauvegarde. Et on peut revenir un peu plus tard, j'imagine. Comme ça s'il y a... Voilà, voilà. Qu'est-ce que je disais? C'est qui est intelligent ici? C'est vous ou c'est moi? C'est vous, bien évidemment. Voilà. Je suis où? Mais... Ok, d'accord. Une vie perdue pour rien, comme ça. Merci. Beaucoup. Ça fait très plaisir. Oula, oula, tendu, 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 tendu. C'était très... Ce fut très tendu. Est-ce que j'ai eu peur? Non, bah non. Très honnêtement, c'était ma foi... On s'habitue un peu aux choses dans le jeu, donc ça va. On s'habitue assez facilement. Par contre, la prise du risque, là, c'était pas ouf, quoi. Dommage. Il me manque encore des bouteilles. Mais elles sont où? Je reviens de là. On va éviter d'utiliser le truc vite hein, parce que... Non, vous savez quoi, au pire. Puis voilà, tout simplement. Honnêtement. On n'est plus à ça de près. Nous voyons ici un petit abandon du joueur français. Voilà. Maintenant, on a assez de clés. En fait, on en avait déjà assez techniquement. Vu que j'en ai 4 là, dans ce monde. Donc... Pourquoi ça n'a pas marché? Faut que j'étape. Ah d'accord, fallait que je l'étape. Il fallait que je les tape. J'ai essayé de bouger un peu mon micro, comme ça on m'entend un peu mieux. Et ça doit être bon, voilà quoi. Par contre, je n'ai pas vu ce que cela fait. Non!
Tant pis. Tant pis. Toutes ces pièces gâchées. J'ai calculé la trajectoire de ces missiles et tu as 99% de chance d'arriver en haut de la statue en les chevauchant avant qu'elle n'explose. Et qu'est-ce que tu fais du dernier pourcent? Eh bien, c'est celui où tu te retrouves en miettes. Mais alors, quelle fin spectaculaire! Cool. Bon, pour déverrouiller ces missiles, tu devras disposer des 7 clés du Panda King. Pas de problème, ce sera facile. Facile, facile. Tout est relatif pour le coup. On va essayer de passer par. Je vous jure que je l'ai pas vu. Je vous jure que je l'ai pas vu. Je l'ai vraiment pas vu. J'espère qu'il va pas me refaire son blabla. Ça va. On va faire du parcours. La course folle. S'il vous plaît, pas de la voiture. Oh non, ça va être encore de la voiture. Murray, mais qu'est-ce que tu fabriques? Bah, je tenais mon poste quand tout à coup, j'ai remarqué ce marchand de glace. Alors, je me suis dit, hé, Murray, il faut que tu prennes des forces. Alors, je cours là-bas, et voilà que d'un seul coup, je me retrouve entouré de singes qui me défient de les battre sur trois tours de piste. En échange d'une clé. Il nous faut cette clé, tu crois que tu peux les neutraliser? Voyons, Sly, ce sont des singes. Comment veux-tu que je perde? Ok, souviens-toi, tu diriges avec le joystick analogique gauche et tu utilises la nitro avec la touche carrée. Prends garde aux plaques de verglas. Merci pour les conseils, Sly. Mais crois-moi, je maîtrise parfaitement. Yes. Et bien évidemment, non, je ne maîtrise pas du tout. Parce que j'étais vraiment nul la dernière fois et je crois que ça va être pareil cette fois. Ça va être une succession d'ellipses, j'imagine. Bon, pour le moment, on va pas crier défaite immédiatement non plus. Je crois qu'on peut crier défaite immédiatement. Bon, je suis quatrième. Déjà bien. En fait, non, c'est pas bien du tout. Et ouais, mais ils me prennent toujours la... Ah bon, j'ai rien dit, là. Quels sont les codes, là? Les codes de triche pour avoir Nitro à l'infini, là. Je suis sûr, il y en a. Je suis sûr, ils ont pensé aux tricheurs comme moi. Après, je dis ça, mais j'utilise même pas de code de triche. Hein. Oula. Tu peux te pousser s'il te plaît. Ça serait très gentil de ta part. Oh purée. J'ai l'impression que je maîtrise un peu mieux que ben, la dernière fois avec le truc aux États-Unis. Mais là c'est je crois que c'était dans le deuxième monde. Yeah. Deuxième. De conduire à quoi?
c'était de peu. C'était réussi de peu, honnêtement. C'était vraiment pas facile. J'ai eu de la chance. De la chance, vraiment. Même si ça m'a pris pas mal de temps. Pouf. Yes, j'imagine. Bon. Est-ce qu'on fait un autre niveau? Déjà, est-ce qu'il y en a d'autres à proximité, en chemin, en passant par là? Je pense par là, ouais. Voilà, nice. Le duel du dragon, on va y aller là-dedans. Et je vous propose qu'on le fasse maintenant, quoi, tout simplement. Est-ce que ça fera une vidéo un peu plus longue? Oui, mais c'est pas grave. Par contre, les bouteilles, je suis vraiment plus sûr de les faire à 100%, là. Vu tout ce que j'ai raté. Parce que j'ai pas l'impression que j'y arrive, là. Plus un geste. Comment vous obéir lorsque mon corps vibre à votre vue? La ferme, raté laveur. J'ignore ce que tu fais en Chine, mais ce n'est certainement pas à l'avantage du maître des lieux. Si vous ne voyez pas ce qui se passe ici, c'est que votre amour pour moi vous rend aveugle. Tout ce que je vois, c'est un voleur pathétique qui mérite la prison. Mais je suis fier d'être un voleur. En particulier lorsque j'exerce mon art sur un bourreau comme Panda King. Cher détective, ouvrez les yeux. Ces temples pittoresques cachent une usine illicite d'explosifs. N'essaie pas de m'embrouiller. Les criminels sont tous les mêmes. Et la justice les rattrape toujours. J'imagine que j'ai bien fait. Ça sera un niveau pas si long que ça, peut-être. Si j'ai de la chance. Juste essayer de pas être yop non plus et faire en sorte de garder les yeux ouverts. Peut-être qu'on peut essayer avec les bouteilles, étant donné que c'est un niveau un peu plus de course, j'ai envie de dire. Pour pas essayer de se faire tuer. Donc j'ai l'impression qu'il y a deux chemins. On peut descendre. C'est cool. C'est juste qu'il faut faire attention de ne pas se faire toucher. Par contre, je vais juste bouger un peu la souris. Histoire de pouvoir avoir un œil sur Audacity. On ne sait jamais. Oula. Ah purée. J'espère que ça se casse pas. Oh, nice. Est-ce que je viens de me faire toucher? Il y avait deux chemins en fait. Oula, oula, oula. Pas très bon au tir hein, celle-là. Par contre, elle pourrait arrêter de me tirer dessus sur ma propre personne directement. Ah mais il y en a deux. Je sais pas si ça servait à quelque chose, mais on va essayer de faire avec, j'imagine. C'est compliqué, honnêtement. C'est pas un jeu simple du tout. Hein. Voilà, on peut passer. J'ai l'impression que tout est en 2D, honnêtement. J'ai l'impression qu'il y a quelques lags, mais bon, là ça vient de la console, j'ai l'impression. Après, c'est une PS2 Slim. Hein. Je sais absolument pas si une PS2 Slim c'est moins puissant qu'une PlayStation 2 normale, j'imagine. Pour les consoles d'aujourd'hui, je sais un peu la différence, mais pour les consoles de l'époque, genre la PS2, je ne sais absolument pas si ça change quelque chose. Après, pour être franc, en temps normal, j'aurais pris une. Une PS2 fat, je veux dire, comme on peut le dire. Mais c'est juste que c'est plus simple pour moi de me déplacer avec une PS2 slim qu'une PS2 fat. Du coup, j'espère que vous comprendrez. Mais de toute façon, j'ai toujours utilisé la même PlayStation depuis le début du Let's Play, en fait. Donc, là, les lags, je les ressens. On aurait été sur émulateur, j'aurais compris, mais là... Après, je ne sais pas si le cel shading prend beaucoup. Parce qu'après, j'ai vu quelques images de la collection HD, j'avais pas l'impression qu'il y avait du cel shading, j'imagine.
Après, je dis peut-être des conneries, hein. Dites-le moi si je dis les plus grosses conneries du monde, hein, par contre. Hein. N'hésitez surtout pas à le dire. Si vous connaissez mieux la licence que moi, pour le coup. Ah. Là, ça va, les plateformes sont assez grosses. Ah, c'était tendu, mais il m'en manque deux. Pourquoi j'ai tiré? J'ai tiré sur quoi là? Il me manque toujours deux en fait. Pénible, c'est pénible ça. Je me disais ouais, ça allait être plus facile d'en avoir là, mais non, j'ai pas l'impression. Ce qu'on verra. Du coup, pas de dernière bouteille. Tant pis. On va terminer cette vidéo. C'est pas un niveau très long non plus. Hop là. Bon bah c'est là-dessus que se termine cette vidéo. Bon bah moi je vous dis, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, vous abonner et aimer la vidéo. J'ai dit deux fois abonner, c'est pas grave. Et sur ce, moi je vous dis bye tout le monde et portez bien, c'est très important.